Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Hennis au sujet du match France-Pologne de l'Euro 2024. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Soir c'est masque, masque. Soir c'est on y est, c'est le jour J, c'est le jour JJ. Tous JJ, tous rurus, pète-moi le cul, JJ. On t'aime, Olivier, je suis là, rurus. On a fait le déplacement jusqu'en Allemagne. Je suis pas là pour faire du tourisme. Dans tous les cas, il n'y a pas de tourisme à faire en Allemagne, il n'y a pas de plage, il n'y a rien à faire. Il n'y a que des pubs. Donc les gars, on va l'assister au match de l'équipe de France. L'équipe de chance. Je vais tenter ma chance. Aujourd'hui, c'est la montante. Aujourd'hui, c'est le palier 6. Donc je vais aller dans les tribunes, les gars, pour aller voir l'équipe de France. Et s'il faut que je rentre sur la pelouse pour marquer un but à la place de Marcus Thuram, je le fais, les gars. Je le fais. S'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. Et fais-nous jouer Barcola, Deschamps. Ah, j'ai peur qu'il marque pas l'équipe de France. Hein. Oh là, je vous dis la vérité. Même les gars, j'ai peur que l'équipe de France, ils sont capables de gagner l'Euro sans marquer un but. Faire que des 0 à 0 de aujourd'hui jusqu'à la finale. Aucun but, que des tirs au but, les gars. Donc aujourd'hui, c'est l'heure. On y est tous ensemble, les gars. Thank you.
Pour l'instant, c'est on est zéro avec but. Il y a Benzema. Il joue ce soir Benzema ou pas? Mais non, mais qui a pris le maillot, mon frérot? Les gars, là c'est le mur bleu, c'est incroyable. Par contre, je suis très inquiet, les gars. On est juste derrière les cages. Attention, les frappes de Marcus Thuram, les gars. Voilà, à tout moment, on peut se prendre un ballon. J'aurais dû mettre un casque avec moi. Regardez, les gars, regardez l'écran, miskin. Marcus Thuram va casser l'écran, les gars. Voilà. Pas contrôlé, les gars.
Mbappé. Ben Didier Deschamps, il a écouté le peuple français. L'équipe qu'on voulait, l'attaque, les gars. T'es pas content, triplé, tricolore, Dembélé. Mbappé, Barcola, il est là, les gars. Il est là, Barcola. On va se régaler. Joga Bonito, Barcola. Là, 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 là. Voilà, Marcus Thuram, dégage, Thuram. Oh là, les gars, j'avais peur qu'il y avait Thuram sur le terrain. De renvoyer des ballons dans la tribune sur ma tête. Il aurait cassé l'écran géant là-bas. Il est là, Barcola, le braconnier. Voilà, montre-nous des gestes. Il est là, le soldat Olivier. Tout Juju, tout Juju, tout Juju, allez, Rourou. Tout Juju, tout Rourou, tout Juju, allez, Rourou. Faites-moi le cul, Juju, faites-moi le cul. Faites-moi l'enfant. Faites-moi la nuit. Allez, Juju. Mbappé, Mbappé, nul Mbappé. Même à l'échauffement, il marque pas, les gars. Même à l'échauffement, Dembélé. Oh là là, même à l'échauffement, il marque pas, les gars. Il n'y a que Barcola. Barcola. Là, 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 là. Oh là là, le petit plat du zboub. Kylian. Tête de noisette. Oh la tête de noisette. Mbappé. Il est là, les gars, Kiki. Ouais. Oh là, Gigi! Gigi, tous vous! Ouais. Mbappé, allez! Applique-toi, Kylian! Applique-toi! Voilà son premier but à l'Euro! Voilà, Kiki! Depuis qu'il est pour PSG! Incroyable! La tête de noisette, Barcola, Barcola! Barcola! Là, là! Allez, allez, on va se régaler, les gars! On va se régaler! Endo Kanté. Ouh lola Kanté. Allez Kiki, faites-moi le cucu. Wow, qu'est-ce qu'il nous a fait, Kiki? Dembélé, nul Dembélé. Wow, wow. Wow, allez Barcola. Allez, Barcola de là. Nul Barcola. Allez, faites rentrer Thuram. Faites rentrer Marcus. Faites rentrer Thuram là! Faites rentrer Marcus!
Marcus, pète-moi l'anus. Leur grand-mère, c'est bien fait baiser. Hein. On s'est bien fait baiser. On finit deuxième derrière l'Autriche. La triche. Hein. La triche, bande de sale merde. Bande de sale nul. L'équipe de France, l'équipe à 2 francs. Hein. Je vais aller péter un écran de cinéma. Voilà. Voilà que c'est pas possible. Tous nuls, bande de lâches. Équipe de merde. Arbitre de merde. On s'est fait baiser. Pour rien, le pire c'est pour rien les gars. À quoi ça leur sert d'avoir 1 point? Les Polonais, ils nous ont baisé mon palier 6 pour rien. Wesh, c'est incroyable. Ils ont 1 point. Même la lettre I elle a autant de points que eux, ces clochards. Le U de Hündoğan, les gars, il a plus de points que les Lewandowski. C'est pour vous dire, c'est dingue. C'est honteux, voilà. Donc voilà, c'était la story de Mohamed Hennis, les amis. Mohamed Hennis qui a fait le déplacement jusqu'à Dortmund. Effectivement, dans la tribune du mur jaune. Le mur jaune, tribune très impressionnante, très haute, droite. Comme il a dit, c'était le mur bleu. Moi, je suis dégoûté parce que j'étais persuadé que le match, il était à 21h ce soir. Je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadé que le match, je sais pas, j'étais déconnecté. Donc, je me suis aperçu un peu trop tard, voilà, à la fin du match, voilà, dans les prolongations qu'il jouait. Voilà, et le coq français a passé les poules, voilà, a passé les poules, le coq, voilà. C'est la blague d'Ennis, hein. Le coq, il a passé les poules, mais sans marquer un but dans le jeu. Voilà, il y a eu un but contre son camp, contre l'Autriche, et un but sur pénalty de Kylian Mbappé. D'ailleurs, ils ont égalé Lewandowski, il a égalisé à la 79e. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour n'avoir qu'un point avec, et ils ont Robert Lewandowski dans leur équipe. J'ai du mal à comprendre. Après, je vous l'avais dit, vous pouvez regarder mon débrief, mon avis à la fin de la vidéo de Mohamed Hennis sur France-Autriche. Je trouve que les commentateurs à la télé, ils ont mal parlé de l'Autriche, qu'ils sont faibles, qu'il y a trop d'écart. Et ben regardez, ils sont premiers de la poule devant nous, devant la France. Ils sont premiers, donc jamais sous-estimer l'adversaire, même s'il y a un écart sur le papier. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Jusqu'à la 40e minute, de la 20e à la 40e minute, ils auraient pu nous faire mal l'Autriche. Et plusieurs fois dans le match, ils auraient pu revenir. Plusieurs fois dans le match, c'est-à-dire que l'Autriche m'impressionne presque plus que l'équipe d'Italie. Parce que l'équipe d'Italie contre l'Espagne, soit c'est l'Espagne qui est trop forte, soit c'est l'équipe d'Italie qui a baissé de niveau, qui est... Voilà, donc déçu de ne pas avoir vu le match parce que j'aurais pu vous dire mon avis, mais je l'avais bel et bien dit dans la vidéo France-Autriche que l'Autriche, je trouvais ça absurde les commentateurs, quoi. Oui, la France aurait pu marquer un deuxième, un troisième but, oui, mais l'Autriche aurait très bien pu ouvrir le score et elle aurait très bien pu égaliser à tout moment jusqu'à dans la prolongation. Donc et je l'avais dit dans ma vidéo, on en entendra parler de l'équipe d'Autriche. Ils sont premiers, donc c'est une déconvenue pour la France parce que la France voulait être première. Pourquoi? Parce que le premier de chaque groupe, il affrontera forcément soit un deuxième, soit un troisième. Donc deuxième, on est pratiquement sûr d'affronter un premier. Voilà, on est... Donc imaginez-vous si on affronte l'Allemagne, si on tombe sur l'Allemagne, l'Espagne. Je n'ai pas regardé tous les arbres, tout ça, on le saura demain. Mais imaginez-vous.
Voilà, c'est mieux de tomber contre, je sais pas, contre un deuxième, un troisième, que de tomber contre l'Allemagne ou l'Espagne ou etc. Donc, ouais, c'est une déconvenue quand même, c'est une déconvenue. Après, la Pologne, bah, pourquoi ils ont bataillé? Bah, pour sauver l'honneur, voilà. Parce que finir avec 0 points, faut mieux finir avec un point que 0 points. Donc, ils ont bataillé pour sauver l'honneur, voire même l'espoir de gagner, pour l'espoir d'avoir une. Est-ce qu'ils auraient pu avoir une troisième place? Attendez. Et en plus, avant le match, on a appris. Ah, les Pays-Bas, non, 4 points. 4 points. Ils n'auraient pas pu avoir tout de même la troisième place. Donc, les Pays-Bas, normalement, ils sont. Donc, la France, avec ses 4 points, on l'a appris par rapport aux autres, d'après des calculs savants. La France était sûre de faire partie des meilleurs troisièmes, même si elle perdait ce match contre la Pologne. Donc, ça peut être joué, ça peut être fait baisser la pression de se sentir déjà qualifié. Peut-être ça fait baisser la pression, peut-être. Donc, c'est pas plus mal de baisser la pression pour bien se mettre la pression, la bonne pression. La bonne pression allemande, bien sûr. La bonne pression allemande ou anglaise ou du sud-ouest. La bonne pression de. Pas la mauvaise pression. Parce qu'après, Cantona, il disait un joueur qui sait pas jouer avec la pression ne sera jamais bon. Il faut être bon même avec la pression. Voilà, il faut être bon même avec le. Excusez-moi, je bye, bye, bye. C'est l'heure de dire bye, bye, je crois. Je crois que c'est l'heure de dire bye, bye. Ah, j'aurais bien aimé voir ce match, je suis dégoûté. Ben, je verrai le prochain en huitième de finale. J'essaierai de voir les matchs de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal. Tout ça, j'essaierai de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.